Yépa tout le monde et bienvenue and welcome on yepapote.global. Alors, yepapote.global vise à rassembler autour de la proposition de solutions. Voilà. Alors, des solutions et une entraide de deux niveaux. Le premier niveau est plutôt orienté autour d'une chaîne YouTube mise en place autour de la matrice 1 qui s'appelle test d'aide audio mise en place par Yepa et un deuxième niveau d'aide qui repose plus sur l'intelligence cette fois-ci collective plutôt qu'individuelle et elle rassemble autour d'une plateforme. Cette plateforme s'appelle la Place Coco. Place Coco, c'est un endroit où il fait bon co-élper et co-worker ensemble. Elle rassemble et vise à satisfaire des besoins autour du co-helping autour du mieux vivre et du coworking autour du mieux entreprendre, en répondant à quelles contraintes, en intégrant la contrainte autour de mieux comprendre le cadre réglementaire et dynamique auquel nous sommes soumis. Pourquoi ? Pour faire de ce cadre réglementaire non plus un risque dans le cas de figure où on ne maîtrise pas, mais en faire plutôt une opportunité autour du mieux vivre et du mieux entreprendre. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à venir consulter la chaîne YouTube de yepapote.global ou alors de nous rejoindre sur les réseaux autour de yepapote.global, place coco, place co-helping et place co-working. Le co-helping pour mieux vivre et le co-working pour mieux entreprendre. Et le facteur clé de succès de yepapote.global repose sur la probabilité de rencontre et le match autour du besoin dynamique et de la solution dynamique, en intégrant une notion qui consiste à comprendre le cadre réglementaire dynamique auquel on est soumis pour un être humain ou encore une personne qui n'est pas un particulier dans le domaine juridique, donc aider. Néanmoins, je dirais que l'avantage concurrentiel ou le facteur limitant l'efficience de cette plateforme repose tout simplement sur sa capacité à rassembler des particuliers avec des niveaux d'expertise différents autour du savoir-vivre, du savoir-entreprendre et du savoir comment comprendre la dynamique du cadre réglementaire auquel nous sommes soumis. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, yépa, et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des besoins ou si au contraire, vous auriez l'expertise et la capacité d'aider les autres. Voilà. Et peut-être qu'un jour, les autres vous aideront. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Allez, osez papoter entre vous et osez surtout aider. Je vous dis à bientôt !